Donc je suis encore à l'île Maurice, hein, où je continue de faire mon périple photo. Donc je fais des trucs superbes, c'est vraiment très sympa. Il fait très chaud ici. Et là j'arrive sur la plage de Flic en Flac. Et je voulais aborder avec vous un petit principe élémentaire, c'est que là il est environ midi et demi. Souvent à ces heures-là, je ne suis pas forcément fan moi, de faire des photos, le soleil est très dur. Alors, vous pouvez peut-être le voir déjà ici, mais en me regardant, moi je suis caché sous mon chapeau et sous mes lunettes. Alors, je vous montre un petit peu la plage. Hop. Et souvent je vous parle de la meilleure heure pour faire des photos, c'est sûrement très tôt le matin. Et plutôt en fin d'après-midi, au coucher du soleil, la lumière est tellement plus douce et plus agréable. Ça crée beaucoup moins de contraste et lumière très dure. Donc ça c'est le premier conseil. Mais il y a quelque chose que j'adore faire et que vous devez absolument avoir dans votre sac photo, c'est quelque chose qui vous permet de faire des super photos et d'atténuer les reflets de la lumière sur l'eau pour pouvoir rendre toutes les couleurs de la mer, toutes les nuances de bleu, les nuances de turquoise, et en même temps donner vachement plus de densité au ciel. Donc ce truc là, c'est le polariseur. Je vous montre ça. Donc le polariseur, c'est ça. C'est un petit filtre opaque et qui polarise la lumière. Ça veut dire qu'il va enlever des rayons de lumière qui ne sont pas nécessaires. Et ça va permettre d'atténuer beaucoup de reflets de lumière sur l'eau. Donc je vous montre des exemples à suivre, mais ça vous devez l'avoir absolument avec vous dès que vous allez en voyage, dès que vous faites des photos de mer, dès que en plus vous êtes à des heures comme ça qui sont où le soleil est très dur, ça va vraiment mettre en valeur vos photos. Ça va restituer les superbes bleus, ça va tout simplement. Des photos de cartes postales, vous voulez des photos de cartes postales, munissez-vous d'un filtre polariseur, c'est vraiment essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire pour le moment. Donc le polariseur, hein, il se fixe tout simplement, il se visse, voilà, comme un filtre UV, hein, c'est le même principe, sur votre objectif. Et là, vous pouvez le faire tourner. Et quand vous regardez à travers votre viseur, vous pouvez voir l'influence que ça a sur votre photo. Et là, testez-le, vous allez voir et vous allez m'en dire des nouvelles. Donc là, vous ne pourrez plus dire que vos photos de voyage ne sont pas manque de contraste, manque de couleurs. Les couleurs restituées que vous pouvez voir ne sont pas du tout les mêmes. Donc avec ça, eh ben, voilà, ça c'est un investissement au départ. Alors moi, je vous conseille, donc il y a plusieurs systèmes, plusieurs types. Hein. Il y a des grands qui se mettent sur un porte-filtre ou des circulaires comme ça qui se visent directement sur votre objectif. Donc, bon, j'en parlerai plus tard pour vous détailler toutes les solutions. Mais dès maintenant, munissez-vous de cet outil indispensable.